préparant les féeries de Noël en cherchant des thèmes. Et cette année, nous avons tout axé sur les souvenirs d'enfance. Je voyais les féeries de Noël avec mes enfants, je les ai vues après avec mes petits-enfants et j'ai l'impression que ça a apporté du bonheur. Et donc je me dis que de continuer comme ça, c'est du bonheur. Donc quand je descends à Narbonne, je viens pas seulement pour travailler, mais je viens aussi en vacances. Je profite du soleil, de la mer, du sourire des gens. Et puis ça me fait plaisir de rencontrer aussi toujours des anciens Alsaciens qui ont pris la retraite dans la région et qui sont contents de retrouver les produits d'Alsace. C'est extrêmement important pour le tissu économique local, de telles animations, de telles opérations, en même temps que ça participe à cette notion que les Narbonnais se réattribuent leur centre-ville. Concernant le marché de Noël, on verra cette année qu'il a été complètement repensé, qu'il est restructuré, qu'il est beaucoup plus cosy, c'est beaucoup plus convivial, plus fermé. Et on s'aperçoit en tout cas que ça attire énormément de monde. Les chalets aussi sont bien. Celui que je préfère, c'est l'Obélix. Le marché de Noël est très joli et que contrairement à d'autres marchés qui ont plus grosse ampleur, on est plus souvent déçus. Et là, j'adore, c'est très joli, bien fait, bien organisé, c'est joint avec les forains, il y a une bonne ambiance. Donc, originaire d'ici, je suis bien content pour mon retour que ça se passe aussi bien. L'an dernier, vous avez vu le Père Noël ? Il est passé là aussi. Eh ben joyeux Noël alors. Merci. À vous aussi.